de ces quarts de finale. Il à la gauche, il s'appelle Sacha. C'est le frère. Voilà, c'est le petit frère. Et je le disais tout à l'heure, je l'ai avec le père là de la famille, le père de famille donc. Et je l'ai vu jouer ce matin face à son frère. C'est extraordinaire. Hein. Alors il est le deuxième meilleur en Europe, hein, je crois, dans sa catégorie d'âge. Absolument. Et il a un tennis. J'étais bluffé. Et en plus, il est. Il a l'air très, très détendu, c'est pas une machine quoi, il se marrait bien sur le court. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il voulait jouer les qualifications à Metz, à 13 ans. Alors on lui a dit qu'il fallait attendre au moins un an. Il se voyait bien jouer les qualifs. Et il sert de sparring à pas mal de joueurs depuis le début de la semaine. Quand il y a un joueur qui cherche à taper des balles avec quelqu'un, bah, il y a toujours un enfant qui est là. Il y a Zverev en porte-clé qui est là. Et alors ce qui était amusant, c'est que de temps en temps, pendant la séance d'entraînement, le petit frère essayait de mettre une pile au grand frère. C'était assez amusant. Alors Micha Zverev, on le connaît moins évidemment que Jarkko Nieminen, il est beaucoup plus jeune. Et il fait une belle saison, notamment en indoor, puisqu'elle était demi-finaliste à Marseille. Donc la France lui convient bien. Il a été battu par Mikael Liodra. En plus, il a une bonne bouille, ce Sacha Zverev. Il a été quart de finaliste également à Halle, battu par Benjamin Becker. Bon, il doit être d'origine ukrainienne ou russe. Oui. Mais vraiment comme, pas un nom allemand non, d'origine. Et, mais... et comme souvent d'ailleurs, ils envoient les. Et c'est souvent l'Allemagne, c'est comme la famille Davidenko, et qui est un peu dans le même cas que eux deux, puisque même si on connaît plus Nikolaï Davidenko, son frère, qui a commencé sur le circuit plutôt que Nikolaï Davidenko, mais est devenu son entraîneur. Donc peut-être que dans quelques années.
Celui qui est sur le court sera l'entraîneur de celui qui est dans les tribunes. En tout cas là, on va assister à un match de costaud et dans un genre différent que le match précédent. D'ailleurs, pas si fréquent également sur le circuit, deux gauchers face à face. Toujours intéressant de voir tactiquement celui qui va prendre le dessus sur l'autre dans ce domaine. Je disais en même temps qu'il va prendre le contrôle du service aussi, parce que toujours particulier d'affronter, même quand on est gaucher, d'affronter un service de gaucher, parce qu'on en a moins l'habitude forcément que des droitiers. Liminen qui a été longtemps blessé il y a deux ans, il a eu du mal à récupérer, mais bien qu'il ne soit pas très jeune, il est parvenu à revenir progressivement. Alors il a un je le disais, moi c'est un des revers à deux mains que je préfère sur le circuit Yarkon-Niminen. Et le jeu de Micha Zverev, vous allez probablement le découvrir pour la plupart d'entre vous. Un jeu assez compact, ça cogne fort. Bah, les Français le connaissent bien parce que, bizarrement, par le jeu des tirages au sort, il a souvent joué des Français ces dernières années. Ouais, comme à Marseille, justement, avec Mika Lyodra. Mais se sont joués une fois et c'est Zverev qui l'avait emporté sur le gazon de Halle. Alors c'est un peu normal, il jouait chez lui quasiment. Et le vainqueur de ce match-là jouera contre le vainqueur de Gasquet-Robredo. On a vu un beau match récemment à l'US Open entre deux gauchers, hein, Verdasco, Nadal. Mikael Lodra qui était lui aussi, vous l'avez mentionné, un adversaire de Zverev à l'Open 13, et qui est également gaucher, a dû se retirer au dernier moment de ce tournoi parce que suite à ses efforts en Coupe Davis, il souffrait d'une début de contraction au mollet gauche. Et Cédric Mourier va arbitrer cette rencontre que l'on connaît par cœur. Mourier, pas la rencontre. Excellent arbitre. Je pense pas qu'on ait les mêmes hésitations qu'au match précédent. Je n'osais pas le dire parce que c'était un peu méchant pour notre arbitre précédent, mais c'est effectivement ce que je pense. Yarkon-Niminen qui au premier tour a battu Benjamin Becker en deux manches, 6-3, 7-6. Puis Christophe Vliegen, le Belge, en deux manches également, 6-4, 6-1. Quant à Zverev, il est issu des qualifications. Il a battu l'Argentin Zeballos au premier tour, 6-3, 6-2. Et Nicolas Mahut au deuxième tour, 6-4, 6-2. Battu Zeballos, membre de l'équipe d'Argentine de Coupe Davis et qui est gaucher également. On n'a pas tardé à s'y mettre, mais c'est assez symétrique. Voilà, c'est bien résumé. C'est bien résumé déjà le volume du jeu de ces deux joueurs. Bah, une forme de coup droit évidemment identique, hein, comme souvent avec les gauchers traditionnels, mais vous le verrez, un revers complètement différent. 30-0. Chez Zverev que chez Niminen. Il a un revers à deux mains quand il, sur les retours de service, quand il peut couper la trajectoire comme ça, c'est assez incroyable. Aussi.
Jeu éliminé. Et voilà, jeu blanc. Premier jeu. Rentrer dans le match. Non, on va voir si Zverev va chercher le slice avec son service, va utiliser le slice pour aller chercher les mêmes trajectoires. Il tombera à ce moment-là sur le coup gauche de son adversaire. On a vu que Nieminen avait servi droit dessus. Et lui aussi cherche l'extérieur, cherche le revers. C'est normal. Donc ça va les obliger l'un et l'autre à cogiter un petit peu plus et à varier leur technique habituelle. Fort, hein. 45. C'est très compact hein, le jeu de l'Allemand. Pas, beaucoup moins d'amplitude dans les préparations et dans les accompagnements que chez Nieminen, mais beaucoup de force à l'impact. Je verrai. Un jeu partout. Et un partout. Chaque fois, il a trouvé la ligne, Zverev, ça ne l'a pas empêché d'être puni. 15-0. Cet énorme coup droit. Un bon balayage. De l'autre côté. Il ne faut pas lui toucher le coup droit si on a joué court. Hein, parce que la balle... On est sûr qu'on la revoit pas. Net face off. C'est un peu la même chose de l'autre côté d'ailleurs, avec quasiment pas de préparation, une raquette très ouverte, voilà, hop, c'est une petite gifle. Mettre face up. Un peu heureux, ouais. Et du côté de
Yarko, peut-être une erreur de jugement, mais je ne sais pas si de toute façon... Peut-être qu'il n'aurait pas pu la, non, l'avoir. Non, il ne la jouait pas dans de bonnes conditions, donc il a laissé passer. Une faute de pied signalée. Il a pris vraiment sa chance là, Zverev, il a eu raison. 30-40. Et il vient mettre en difficulté Jarkko Nieminen. Balle de break pour l'Allemand. Ouais, là qui est allé aussi, mais. Un peu plus démuni. Égalité. Parce que son chip pour arriver au. Voilà, celui-là était beaucoup trop court. Jarkko Nieminen, qui est l'un des très très bons passeurs du circuit, n'a eu aucun mal à réussir ce passing. Et là, en revanche. Avantage sphère. Très joli. Son défaut par moment, un joueur qui se précipite un petit peu trop vers la balle, il a tellement de jus, tellement d'énergie. Et voilà, Zverev qui fait le break. Vous voyez que on en parlait tout à l'heure lors du match entre Simon et Xavier Malisse. Voilà tout l'intérêt justement d'être très offensif, de la moindre occasion d'aller agresser l'adversaire. Ça, c'est l'une des grandes évolutions hein, d'ailleurs du tennis de ces, on va dire, dans ces 20 dernières années. C'est qu'il y a encore il y a encore 20 ans, il y avait des joueurs qui étaient attentistes, quoi. Clairement, qui ne jouaient que dans un secteur défensif. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Même les joueurs de fond de cours sont des joueurs offensifs. On ne peut plus se contenter seulement de remettre. C'est sûr qu'il faut, quand on a l'occasion de jouer la balle, parce qu'on l'a de moins en moins dans le tennis moderne, ça va tellement vite, les joueurs frappent tellement fort que justement il faut réaccélérer, il faut faire quelque chose de la balle. Les qualités de passing de Jarkko Nieminen, même si là encore Zverev attaquait un peu court quand même. Hein. Hein, c'était monté en slip. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de ses qualités au retour de service. Quand il peut couper, alors j'en parlais en revers, mais finalement c'est pareil en coup droit. Quand il peut couper la trajectoire comme ça. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est trop de précipitation. Il en remet un peu trop au lieu de, sans forcément temporiser, mais arrondir davantage pour tenir. Mais il est dominé en puissance pour l'instant. Maîtriser
maîtrisé, pas pu contrôler cette 15, balle. 40. Et dévisser là sur ce coup droit. Finalement. Net sauf. Ça c'est bien joué. D'abord c'est très bien fixé. Un retour de service très long. Deux jeux partout. Et il débreak. Et il oblige Zverev à une reculade très aléatoire parce qu'il est sur les talons au moment, il s'en est pas complètement remis au moment où son adversaire peut enclencher le coup droit suivant. Il surprend à contre-pied. Voilà. Vite refait son break. C'est important de recoller tout de suite au score. Bien fixé. 30-0. Il est passé à côté. Ouais, c'est curieux. Jeune Niminen. Niminen mène par 3 jeux à 2. 3-2 pour Jarkko Nieminen, un peu de pub et on revient tout de suite. Retour à Metz avec les quarts de finale de l'Open de Moselle en direct sur Paris Première. Vous avez peut-être suivi en notre compagnie la qualification pour les demi-finales de Gilles Simon tout à l'heure qui a battu le Belge Xavier Malisse en 3 manches. Le deuxième quart de finale de la journée oppose en ce moment même Micha Zverev, l'Allemand, qui est au service à Jarkko Nieminen, le Finlandais. Pour l'instant 3-2 pour Nieminen.
Zverev avait fait le break, mais il est revenu. Niminen, il a débreaké tout de suite. Ou il n'y croyait pas vraiment à cette annonce, Niminen. Elle n'était pas facile à remettre, hein, cette balle dans les pieds. Choisi de la laisser rebondir. Enfin, il n'avait pas bien le choix d'ailleurs. Il est arrivé trop tard pour faire autre chose. Je sais pas votre impression, mais moi dans le même système de jeu, je pense que Niminen est tout petit peu plus fort. Hein. Il sait faire davantage de choses. Et on a l'impression que la partie lui appartient, quoi. C'est 30 ans. Il joue face à un joueur très costaud qui pose problème à n'importe qui aujourd'hui. Mais il n'y a pas autant de variété, surtout dans le jeu de Zverev que dans celui de Niminen. Parce que là, on a l'impression que par moment, l'un et l'autre jouent dans un miroir. Égalité. Avantage, je verrai. Beaucoup de puissance. Il a joué en première intention, il était sûr de sa force. Il n'a pas cherché à jouer, même s'il a forcément vu que Niminen était resté de ce côté-là. Trois jeux partout. Il était sûr de la puissance de son coup. Et voilà qui remporte son service maintenant. Trois partout. Il fait pas semblant, hein, quand il va dans son coup droit avec une poussée des jambes là, un peu à la Nadal, hein, il envoie toute l'énergie qu'il possède. Un joli mélange. Super. Magnifique. Ouais, jouer dans la foulée vers l'avant. S'il vous plaît, Banos. Très belle. Très beau jeu de service. Et 4-3 pour Marco Niminen. C'est bien 4-3 pour Marco Niminen. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a plus de solutions dans sa gamme de jeux. Ouais, et puis il y a plus de relâchement au moment de jouer. Il a donc plus de possibilités, il y a plus de variété. Mais on voit bien à quel point Zverev peut être dangereux par sa qualité de frappe, par sa puissance. Time.
très bon jeu de piston au niveau des jambes chez le Finlandais. Alors, il y a déjà eu un break de chaque côté. Voilà, si Nieminen prend le service de, qui va servir avec des balles neuves, d'ailleurs, s'il prend le service de Zverev, on emmènerait 5-3 avec son avec service à suivre, ce serait compliqué pour l'Allemand. Ah oui, il cherchait, hein. Il cherchait le coup dur, on l'a vu, il était aux aguets pour avancer. Vous voyez, tout à l'heure, en parlant de Gilles Simon, on disait que souvent il avait tendance à ne pas assez aller dans le coup, à rentrer dans la balle. Voilà un truc que ne fait jamais Nieminen, plutôt qu'il fait toujours d'ailleurs. Il veut toujours se mettre voilà, au centre du court et à distribuer. Toujours en allant vers l'avant, sans pour autant aller au filet. Comme il est très très bas, hein. Très très bas sur les jambes, vraiment dans une position à l'affût. 15-30. Mais là, il est en train de prendre le dessus, j'ai l'impression, Jarkko Nieminen. Ouais. Encore une fois, on n'a pas l'impression qu'il y a des solutions de l'autre côté. Zverev joue son jeu, mais il ne peut pas répondre avec d'autres armes. Ah bah, dans l'échange de fond de court, il est inférieur, il peut s'en sortir, voilà, s'il varie comme ça. Et qui monte à la volée. D'ailleurs, il le fait fort justement à ce moment-là. 30. Mené 15-30. Déjà au jeu précédent, il avait très bien servi et enchaîné derrière alors qu'il était déjà mené 15-30. Et d'ailleurs, c'est en montant au filet qu'il a fait le break. Hein. Oui. Ouh là là, là. Terrible. Alors pour l'instant, en passing, c'est quasiment du 100%. Hein. Oui. 30-40. Ah, ça nous rappelle un joueur qui a une chemise sans manches et qui est numéro 1 mondial. Encore que maintenant, il est mis des manches. Oui, hein, cette saison, oui. Ça y est, ça a repoussé. Attention, deuxième balle, là, ça c'est le genre d'opportunité qu'aime bien Nieminen pour balayer avec son coup droit s'il peut tourner autour. Non, bien servi. Elle est faute. Ouais, mais c'était pas loin. C'était pas loin du tout. Elle est faute. Égalité. Avantage Zverev. Oups. Juge de ligne qui a pris la balle sur la tête. Oui. En plus, comme il a pas de cheveux, pas eu d'amortissement. Enfin, il a l'air d'aller bien. Zverev. Il est un peu gourmand. Là. 4 jeux par. Ouais, mais il s'en sort bien, Zverev, sur ce jeu parce que le retour est sorti vraiment d'un poil sur la balle de break. C'est bien ça. C'est bien contré, mais cette fois-ci, parce que c'est lui qui était à l'intérieur du terrain. Ça a joué quasiment
en demi-volée. Oui. Non, en revanche, elle est bonne. Il n'y a rien à dire. Il y a encore une faute de pied. C'est la deuxième, hein, signalée aux Finlandais. Et encore un passing, elle a tenté le chip and charge, mais ça n'a pas fonctionné. C'est vrai que c'est compliqué face à, surtout à un joueur comme Jarkko Nieminen, dont la, avec le retour, la, l'autre principale qualité c'est le passing. Et beaucoup plus de coups gagnants hein, chez Nieminen que chez Zverev, 18 contre 8.30-40. Manqué de, pour le coup, de rigueur là sur ce, sur cette volée. Il est trop loin de la balle, trop loin du filet. Les gauchers sont pas toujours très bons sur ce genre de volée qui arrive un peu haute sur leur côté gauche. Pousse pas assez. Oh, ça, oh c'est là bien. Là, superbe. C'est superbement joué. Quel passing. Tout au long de l'échange par les deux joueurs, la volée de revers glissée, croisée était magnifique. Ce lob à contre-pied de revers tout autant. Et là, il fallait, fallait aller vite pour s'en sortir. Donc, il fait le choix le plus compliqué en plus le long de ligne. Comme il pivotait, le croisé était a priori plus dans le mouvement. Avantage Nieminen. Balle de 5-4 pour Jarkko. Ça joue très bien même, et Jarkko Nieminen donc qui mène 5-4. Nieminen mène par 5 jeux à 4. Dans ce premier set, c'est à Mischa Zverev maintenant de servir. On a l'impression, Patrice, que Jarkko Nieminen est un petit poil au-dessus de Zverev. Plus de possibilités dans son jeu, et aujourd'hui peut-être tout simplement. Même si Zverev fait un bon match, hein, y a rien à dire. Oui, y a pas un gros écart. En tout cas, il y a eu un break de chaque côté. Et ensuite, il y a eu une balle de break de chaque côté. Il y a eu une balle de 5-3 pour Nieminen. Il y a eu une balle de 5-4 pour Zverev à l'instant. Très bien sauvé par le Finlandais. Match complètement différent du Malice-Simon. Il y a de la volée, il y a de l'attaque, à tout va. Meilleur en volée de revers, Nieminen, qu'en volée de coup droit.
Et Zverev n'a plus le choix, il doit absolument remporter son service. 86% de points gagnés après un premier service pour Nieminen. 56 seulement pour Zverev. C'est pas beaucoup ça, 56. Ça veut dire que Nieminen a mieux lu le service de son adversaire que l'inverse. Et c'est vrai, on a vu souvent Zverev en difficulté. Hein. Ça s'est bien fait ça. Oui, on était parti pour un nouveau passing gagnant, mais là, très bien anticipé de la part de Zverev. Et pourtant, il était compliqué à récupérer cette volée. Ça, c'est bien servi pour le coup. Un ace. Net for serve. Un jeu vert. Ouais, elle est bonne. Un sacré jeu de service. Ouais. Hein. Bah, solide, surtout en étant mené 5-4, c'est pas évident. Mais il a visiblement les épaules et les nerfs solides. Misha Zverev. Et alors, c'est peut-être le défaut, il a un revers à deux mains extraordinaire, mais parfois il n'arrive pas à lâcher son revers à deux mains, à lâcher sa main droite, donc. Et là, ça lui a porté préjudice. Passé Misha Zverev, je pense qu'on a compris que son seul moyen de réplique, si je puis dire, ce sera de monter au filet comme ça un peu. Ah oui, il faut qu'il vienne chercher du fond. Il est un peu plus lourd, un peu plus lent à se déplacer. Il compense par de la puissance, de la frappe. Et ça lui a bien réussi tout à l'heure de bluffer en retour de service. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait de part et d'autre parce qu'il était bien ce petit revers. 30. Qui a fait flotter et plonger la balle. Du coup, voilà, celui-là, c'était compliqué. L'effet, il y avait tellement de lift dans le retournement de l'avant-bras et du poignet que même Zverev a pensé que éventuellement la balle sortait. Ça oblige effectivement à prendre beaucoup de risques. 6-5.
pour Yarko Niminen, mais il a peut-être pas le choix. Misha Zverev, que de prendre beaucoup de risques. Open de Moselle, c'est le dernier tournoi avant le circuit Asie. Le tennis circus va partir au Japon, à Kuala Lumpur, à Pékin, à Shanghai, pendant 3 semaines, avant de revenir en Europe pour la fin de saison qui se conclura par l'ATP World Tour des finales à Londres pour la deuxième année. Donc la saison n'est pas encore terminée, il reste 2 mois quasiment pour les meilleurs. Mais c'est souvent une partie de la saison qui est décisive, non seulement pour les attributions de place pour les 8 qualifiés pour le Masters précisément, mais aussi pour les points qui déterminent les têtes de série au mois de janvier pour la saison prochaine dans les tournois de préparation et pour le championnat d'Australie. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Pour Niminen et c'est Zverev qui est au service. Cette séquence, hein, fixé très très long, et là il ne pouvait pas fixer plus long hein, parce qu'il était vraiment tombé sur le petit bout de ligne de la ligne imaginaire au centre, et puis derrière, après l'ouverture, le balayage coup droit idéal. Très bien joué. C'est de la bien part défendu de Zverev. On le voyait mal d'ailleurs, ça fait sourire Niminen. Il se dit mais d'où est ce qui m'a sorti cette défense, ce coup de défense. Il dit c'est bien, très très bien même gratté. Ça ralentit la balle, ça lui permet de revenir se placer en même temps que la balle s'écrase, descend vers le sol. C'est-à-dire que lui il peut lâcher sa main justement en revers de temps en temps. 45. Tranquille hein, sur ce jeu de service, comme tout à l'heure. 6 partout. Si je pars tout à l'heure. Et un tie-break donc, à présent. Il y a une égalité parfaite hein, jusqu'à présent. Donc ça va se jouer à peu de choses. Ah.
1-0 Zverev. Mini break réussi par Micha Zverev. Un peu trop. 2-0 Zverev. Il se précipite un peu. Il joue un peu trop vite. L'impression qu'il a le temps de poser comme tout à l'heure sur son passing. Il a un peu plus de temps qu'il ne le croit pour poser son revers. Oh, que c'est bien joué. Du toucher de la main justement du côté de Zverev. 3-0 Zverev. Un peu plus calme Zverev que son adversaire. D'ailleurs, ça ne passe plus, c'est le cas de le dire. 4-0 Zverev. Au début du match, il faisait tourner la balle. Là, il y a un peu moins de piston au niveau des jambes. Il est pressé, il est peut-être un peu inquiet parce que finalement, le jeu de Zverev est un peu atypique. Il ne laisse pas le temps de s'organiser. En étant bousculé comme ça, il joue un petit peu trop à l'emporte-pièce. Et oui, c'est lui qui tente sa chance. Et pour la première fois, d'ailleurs, il y a un petit signe d'encouragement à Zverev. Une petite manifestation. Et parce qu'effectivement, ça fait 5-0 maintenant. Et il est bien parti pour remporter cette première manche. Il y a un net fléchissement du côté de Nieminen sur le plan physique. Et voilà, bien servi. Joue proprement, 6-0. 6-0, Zverev. Deux joueurs qui vont changer de côté. Et il va lui rester encore un service, peut-être pour gagner à blanc ce tie-break et remporter cette première manche. Et voilà, premier set pour Micha Zverev qui remporte donc au tie-break 7-6 alors que le soigneur va intervenir. Un peu de pub et on revient juste après, à tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? La pièce est tombée à l'intérieur. Elle est tombée à l'intérieur. Ah ouais, mais c'était trop petite. Ouais. Bah, enfin, je sais pas ce qu'il a. Ouais.
5 secondes. Vous avez quand même 5 de plus, comme tout à l'heure. Retour à Metz avec l'Open de Moselle. Micha Zverev a gagné la première manche au tie-break 7-6 et il a demandé l'intervention du soigneur de l'ATP qui s'est occupé manifestement de son genou, Patrice. Oui, le genou droit, à gauche pour vous à l'antenne évidemment, mais le genou droit, voilà, qui a fait travailler un petit peu la laxité du genou, là, ce qu'on appelle le tiroir avant-arrière et puis en latéralité également. En tout cas, ça ne s'est pas vu au cours du premier set parce qu'il a remarquablement joué vers l'avant, il a très bien volleyé et il a fait céder grâce à sa puissance supérieure Jarkko Nieminen sur le plan physique parce que celui-ci a été largement dominé vers, on peut dire déjà vers la fin du set, mais surtout dans le tie-break qui a été totalement à son avantage. En début de match, Nieminen paraissait devoir dominer, il arrondissait bien les trajectoires, il dominait l'échange. Mais voyant ça, Zverev est venu couper les trajectoires, est venu vers le filet, vers l'avant, pour ne pas subir des échanges trop longs et reculer. C'est-à-dire que c'est au moment où on a dit que Nieminen avait plus de possibilités dans son jeu, a priori, que les champs du possible étaient plus nombreux chez lui que chez Zverev. On s'est rendu compte justement que la seule option pour Zverev, c'était de monter au filet, de casser un peu la rythmique de Jarkko Nieminen. Oh, 15-30. C'est ce qu'il a fait justement. Il était vraiment en grande difficulté, il était très très loin de sa ligne et là le passing parfait et son petit frère a apprécié. Hein. 40-30. Ah oui, il s'est complètement lâché pour aller dépasser sa frappe et c'est ce qu'il faut faire dans cette position-là parce que de toute façon c'est qu'on ne peut pas revenir pour le coup suivant. Donc il vaut mieux dépasser la frappe et jouer le va-tout. Oh, replay the point. Voilà, l'autorité de l'arbitre sur l'hésitation du juge de ligne. Et du coup, on va rejouer le point. Donc, c'est une balle de jeu toujours dans la raquette de Zverev. Net, pas ça. Le juge de ligne avait annoncé faute, mais Cédric Mourier, tout de suite, a corrigé. Et Micha Zverev remporte ce premier jeu du deuxième set. Et ce coup a dû lui faire du bien là. Un petit peu la cuisse, je sais pas si c'est
C'est une petite douleur. C'est bien joué des deux côtés d'ailleurs, mais la finition là de Jarkko Nieminen est formidable. Parce que pour le coup, il s'est pas précipité, il a bien pris son temps. 15-0. Ouais, parce que Micha avait fait la même séquence que tout à l'heure. Hein. Quand il était en difficulté très loin derrière, il avait remis avec un slice de revers très bas, très court. Ça joue très bien là. Ouais. Et ça joue, on l'avait dit, ça serait un match tactique, mais ça joue beaucoup à contre-pied. Parce qu'il y a des séquences tellement ancrées dans le jeu des joueurs et des gauchers qui jouent habituellement des droitiers que même si ça va sur le coup gauche, ils sont tellement habitués à ces séquences-là qu'ils les jouent à fond. 40-0. Aidé par le filet. 45. Parce que sur cette volée liftée là, il avait l'ascendant évidemment. Et deux balles pour égaliser un partout. Et bah, solide aussi, hein. Solide aussi Jarkko Nieminen sur son service. Il n'a pas dit son dernier mot, loin de là, le Finlandais. Pour l'instant, on a des quarts de finale qui sont vraiment de bonne qualité. Avec à chaque fois deux joueurs qui sont assez proches en niveau de jeu. Qu'est-ce que ça signifie en finlandais? Je ne sais pas, mais ça ne doit pas être très agréable. Parce qu'on parle mal le finlandais, Patrice et moi. Je crois que le danois, vous avez deux, trois petites... Voilà, mais le finlandais... C'est du finlandais, donc... mais pas de Mont-de-Marsan, donc... de Dax. Ah oui, superbe ce retour. Il a de quoi s'en vouloir parce qu'il a raté quelques points au premier set, un peu par précipitation, qui lui aurait pourtant permis de faire la différence au début. Parce qu'après, le jeu s'est équilibré. Net.
Zverev donc qui la réplique 2-1. Pour l'instant, dans ce deuxième set, les joueurs ont remporté leur service à chaque fois. Et vraiment, on sent deux joueurs très très proches en niveau de jeu. Mais en dehors de son jeu de service perdu au début du match, Zverev tient son niveau. Mais peu de fautes directes. Très costaud. Hein. Regardez, 4 fautes directes seulement. Ah oui. C'est ça qui fait la différence. Alors certes, Jarkko Nieminen a 10 coups gagnants de plus que son adversaire, mais qui est donc qui joue plus juste que le Finlandais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de déchets dans le jeu de Zverev aujourd'hui. C'est bien touché. Ah ouais. C'est extraordinaire parce que là, il a un, il a failli ne pas la reprendre, tout simplement. Et deux, il a réussi à en faire un coup gagnant. Et sans toucher le filet. Ouais. Sans toucher le filet, c'est pour ça qu'il a rejoué un petit coup très croisé pour que la raquette longe le filet, mais n'aille pas à sa rencontre. Bien vu, lucide. 0-15, deuxième balle. On va voir Zverev s'avancer. Chercher le coup dur. Hein. Ouais, bien joué. Bien joué les deux fois. Il fait exactement ce qu'il faut pour gêner Nieminen. Il empêche de développer son jeu du fond. Il le presse sur sa ligne. Ouh là là. Et là, attention, parce que 1-7-0 avec deux balles de break maintenant dans le deuxième. Ça peut devenir compliqué là pour le Finlandais. Voilà, il a bientôt 30 ans, ça, l'expérience quand même. Il a vu d'autres. Et il faut vraiment un extraordinaire passeur, hein, je peux vous dire, face à Zverev. Qui est à la volée remarquable aujourd'hui. 34. Parce que là, elle est vraiment belle encore, cette volée de coup droit, même si elle tombe un peu à mi-court, un peu sans force, ce qui permet à Nieminen de la contrer, mais elle est tout de même très très bien jouée. Deuxième balle de break. Ah oui, c'est solide là aussi, et c'est gonflé, j'allais dire. Parce qu'il n'est pas monté de lui-même, en tout cas très souvent au filet, Jarkko Nieminen, pendant ce match. Et là aussi, il n'était pas facile à toucher cette volée. Bah, ils sont obligés de jouer contre nature par moment, surtout Nieminen, parce qu'il subit. Zverev l'agresse, monte au filet. Et sur les balles de break, c'est plus facile de faire une volée qu'un passing. Hein. Yeah.
Ils s'envoient des mines les deux. Hein. Ah, ça cogne. Hein. Et c'est Nieminen qui a craqué le premier. Et une nouvelle balle de break pour Zverev. Mais comme souvent, parce que il y a une puissance plus grande chez l'Allemand. Et Nieminen n'arrive pas à enrouler la balle comme il aime bien le faire. Ou préparer suffisamment tôt pour trouver un angle. Il est bousculé. Net passeur. Et il était parti du bon côté, hein, pourtant Zverev. Ça allait trop fort et trop vite. Avantage Nieminen. J'élimine. Deux jeux partout. Deux balles de break sauvées. D'entrée dans ce deuxième set, cela aurait pu être un avantage décisif pour l'Allemand. Ouais, il y a un peu plus d'une heure de jeu. On va voir si Micha est capable de tenir sa qualité de service et sa qualité de frappe de balle. Après un rallye d'une vingtaine d'échanges, être capable de lâcher un coup de cette qualité, c'est très très fort de la part de Nieminen. Net fesseur. Et ouais, ce que je redoutais depuis la fin du jeu précédent, où il y avait une petite faiblesse sur le plan physique, et il avait dit est-ce qu'il va tenir sur son jeu de service. Eh bien, il fléchit un peu et tout de suite Nieminen en profite et c'est à lui maintenant d'avoir l'occasion de breaker. 15-4.
Il va falloir que Zverev retourne et sa première balle et le chemin du filet. Ça lui avait très bien réussi tout à l'heure. Superbe. Et il sauve cette deuxième balle de break. Il lui en reste encore une à sauver. Mais celle-ci, il l'a sauvée avec autorité. Il y en a tant. Plus vers l'avant. C'est un secret pour lui. Ça aide quand la première balle passe. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile derrière. Et n'empêche que bah, il a sauvé les trois balles de break, Zverev. Avantage Zverev. Voilà, c'est toujours lorsqu'il développe ce type de jeu qu'il s'en sort et il mène 3 jeux à 2 dans ce deuxième set. Un peu de pub et on revient à Metz, à tout de suite. Retour aux arènes de Metz pour les quarts de finale de l'Open de Moselle. Jarkko Nieminen face à Misha Zverev. Et pour l'instant, avantage à l'Allemand, qui est pourtant moins bien classé que son adversaire, qui a moins d'expérience, mais qui joue pour l'instant un tennis extrêmement juste. Et l'avantage n'est pas considérable. Vous voyez le score, 7-6 dans la première manche pour Zverev, qui mène 3-2 dans la deuxième. Il a eu des difficultés d'ailleurs sur son précédent jeu de service. Il a eu 3 balles de break, Nieminen, mais il n'a pas su les convertir. Oui, puis il y a eu un petit coup de pompe physique qui a duré 4-5 minutes, mais il s'est très bien ressaisi et très intelligemment, il a su aller vers l'avant, vers le filet, pour mieux traverser ce petit passage à vide, pour s'en sortir et repartir à l'assaut du service. Voilà, comme ça, Denis Minen. Minen, dès qu'il sert une deuxième un peu courte, il a le droit à une montée droit devant. Count.
Son jeu de service précédent, il était mené 15-40. Il a réussi à inverser la, la situation. On va voir là s'il s'en sort parce que deuxième balle. Ouais, il n'a pas pu y aller. Et oui, il l'a surpris à contre-pied. Cette fois-ci, Zverev ne laisse pas passer l'occasion. Zverev mène par 4 jeux à 2. Je trouve que c'est lui, dans ce match de gaucher tactique un petit peu particulier, qui s'adapte mieux aux situations. Ouais. On voit que Nieminen se parle beaucoup, dit qu'il ne comprend pas les trajectoires, les situations. Je trouve que Zverev est à la fois, encore une fois, très, il joue très juste. Mais en même temps, il prend des risques aussi. Ah. Et en même temps, il prend des risques. Il est très... Il ose davantage. Voilà. La balle est retombée dans les limites du court. Donc, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas d'amende. Ouais, il rit, mais il rit jaune, là, Nieminen. Dire qu'il y a 6-7 minutes, il menait 0-40 sur le service de Zverev, c'était pas la même histoire. Voilà. Bah c'est un peu, j'ai envie de dire un peu comme Xavier Malisse tout à l'heure dans la troisième manche face à Gilles Simon. Je me demande s'il est petite séance d'arrosage en train de craquer, un peu de laisser. De se défouler un petit peu, mais... Zverev. Et voilà, Zverev qui confirme son break, qui mène 5-2 et qui est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de cet Open de Moselle, mais bon, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, il joue très très bien, Misha Zverev. Il joue juste. Ouais. Il joue juste, il joue le match qu'il faut. Et il joue dans le même registre que celui dans lequel a joué Nieminen au début, c'est-à-dire qu'il retourne assez fort, droit devant, il fait reculer Nieminen. Mais à la différence de celui-ci, lui, il suit derrière au filet, donc met beaucoup de pression sur chacune des frappes de Nieminen, qui est obligé de reculer, qui est obligé de jouer des passings, qui joue en défense et qui est dominé par la puissance de ce joueur très très au tennis, très compact. Et pendant ce changement de côté, on va se faire un peu de... pas de mal à se faire du bien, hein. On a un peu de pub. Ce soir à 20h35, la revue de presse des deux ânes, c'est la première de la saison. Et je recevrai Hervé Mariton et Jean-Marie Le Guen. Je serai évidemment entouré de mes camarades Jacques Maillot, Bernard Mabille, Régis Maillot, Michel Guidoni, Thierry Rocher, Florence Brunold, pour rire sur l'actualité, qui ne fait pas toujours rire, mais avec nous, ça se marre bien. C'est la réponse là. C'est vraiment la réponse exacte au coup précédent remporté par Nieminen. Thank you.
Net. Face. Joli. Et ben voilà, un jeu bien gagné. Il doit se demander comment il a pu passer à côté aussi largement des lors des trois jeux précédents et retrouver brutalement son tennis, mais c'est une explication, c'est que là, mené à 7-5-2, il s'est complètement détendu, il a joué beaucoup plus calmement. Et maintenant, la tension va être du côté de Micha Zverev qui sert pour le match. Non, il n'y est pas allé franchement sur son attaque de coup droit, ça aurait pu lui coûter très très cher. 15-0. Heureusement que Jarko a raté son deuxième passing. Précipite Zverev. Après tout, il n'a qu'un break d'avance. Il continue à être dans cette régularité qu'il a depuis le début et qui lui porte plutôt bonheur. C'est pas le moment de donner un point comme ça dans le bas du filet alors qu'on est mené un set break 15-15. Ça propulse Zverev à 2 points du match. L'ace sur le tee ou le slice? Courant à l'interview. Je préviens pour qu'il ne parte pas là-haut, ça va être court. Oh, elle était pas loin. Elle poil jaune loin. Dans le couloir. Mais c'était bien bluffé de la part de Dany Minan, il a eu raison. Ouais, ça c'est bien. Il doit être soulagé d'avoir aussi bien servi et de s'être procuré une volée haute. Assez facile. 40-30 et une balle de match pour Micha Zverev. Ce qui est une surprise hein, quand même. Parce qu'Annie Minen, a priori, est au-dessus de Zverev. Et ben voilà, c'est superbe. Et ben il aura joué un match, pas dire parfait parce que ce serait exagéré, mais en tout cas d'une rigueur, d'une justesse absolue. Et Micha Zverev donc qui se qualifie pour les demi-finales de cet Open de Moselle. C'est la première fois pour lui, donc c'est évidemment un événement. Il affrontera eh bien, soit Tommy Robredo, soit Richard Gasquet. Je préférerais que ce soit Richard Gasquet, très franchement. Mais en tout cas, ce sera que ce soit pour l'un ou pour l'autre, un adversaire sérieux parce que nous a fait une bonne impression aujourd'hui et on va le retrouver avec Corinne. Congratulations. Félicitations. You beat Nieminen for the second time. Vous venez de battre Nieminen pour la deuxième fois. I think it's this win is for you. Je pense very que confident. Cette victoire est pour well, vous because, you know, va vous permettre de prendre de la confiance. And you know beating him and getting to the semis the second time in this year in France, you know, and c'est la deuxième fois que j'ai en demi-finale en France, c'était à Marseille, maintenant c'est à Metz. Et je suis ravi d'être venu ici. Maybe Gasquet or Robredo. Votre prochain adversaire sera Robredo ou well, Gasquet. It's difficult to say which one is easier. I mean, I played Robredo a couple times and the last time I beat him in Marseille, so j'ai déjà joué un certain nombre de fois avec l'un ou avec l'autre, mais c'est difficile. And Gasquet, I know he's a great player and Gasquet est un you know, très grand joueur. To win the tournament as well, so they're both very good opponents. Les deux sont de bons joueurs. Is your little brother. Et votre fan numéro 1 c'est votre petit frère. You. Il n'a pas cessé de vous supporter. Première fois que je voyage avec lui. On s'entraîne tous les jours ensemble. So he's there for me, yeah. Et il est là pour moi, effectivement.
Eh bien, en tout cas, on est ravis d'avoir vu ce match. Un match vraiment de bonne qualité, Patrice. On verra peut-être Sacha plus tard, dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est la vedette, c'est Micha. Voilà, on va garder les images de son petit frère dans la loge aux côtés de son père. Voilà, il ressemble vraiment à son père, Micha. En tout cas, ça, il ne peut pas le renier. Et vous l'avez dit, il a joué très juste. C'est finalement celui des deux qui s'est le mieux adapté à ces conditions particulières. Lorsqu'un gaucher joue un gaucher, il y a toujours une adaptation, une incidence sur le plan tactique. Eh bien, il a été meilleur au nombre d'aces. Il n'a pas commis une double faute. Finalement, il a eu un petit passage à vide au début du deuxième set, mais dont il s'est très bien remis. Et sur toutes les statistiques, il a été bien meilleur, commettant beaucoup moins de fautes directes. 7 seulement pour Zverev contre 21 à Nieminen, ce qui n'est pas habituel pour Nieminen, qui est plutôt un joueur assez constant et assez régulier. Et 6 volées gagnantes contre une au Finlandais. Donc, des statistiques qui montrent à l'évidence que Zverev était meilleur aujourd'hui et qu'il a mérité d'être en demi-finale. Comme il l'a dit, la France lui réussit bien. Ouais, en demi-finale à Marseille, demi-finale à Metz. En attendant, éventuellement mieux. Ce sera demain, cette demi-finale. Mais dans un instant, le troisième quart de finale de l'Open de Moselle. Marine